Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire, ce premier webinaire pour les médiathèques et qui est consacré aux ressources numériques et spécifiquement à Culture Tech. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Guillaume Favier Néréré. Et moi, je suis Marie-Charlotte Baudour. On s'occupe tous les deux du projet Culture Tech et on est là pour la plupart pour vous répondre à vos questions au quotidien. Donc, on voulait vous proposer ce webinaire qui a un programme qui est assez défini. C'est toi, Marie-Charlotte, qui va le présenter, parler un petit peu aussi du fonctionnement de la plateforme. Vas-y. Alors, bienvenue à tous. Avant que l'on se lance dans ce webinaire d'aujourd'hui, je voulais vous expliquer deux petites choses. Vous pouvez désactiver le son des notifications en haut des vidéos, là que vous voyez la petite cloche. Il faut cliquer dessus pour supprimer le son des notifications, c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un publie sur le chat. D'ailleurs, à droite, vous voyez ce chat sur lequel vous êtes nombreux déjà à nous dire bonjour et à vous dire bonjour. Vous pouvez échanger entre vous, réagir à ce qui sera échangé. Vous avez ensuite une partie questions, un onglet questions. N'hésitez pas dessus à nous poser des questions auxquelles vous souhaitez trouver des réponses pendant ce webinaire. Et si nous ne pourrons pas répondre à ces questions aujourd'hui, nous y répondrons ensuite. Il y a une partie sondage. Nous vous serions très reconnaissants d'y répondre si vous avez la possibilité de le faire. Guillaume et moi animons ce webinaire d'aujourd'hui et nous répondons aux questions et au chat aussi si jamais vous avez des soucis techniques. En parlant de soucis techniques et d'accès à ce webinaire, sachez qu'il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'Institut français en replay quoi, après ce webinaire. Donc C'est ça, le lien vous sera envoyé voilà. dès la fin du webinaire. Donc le déroulé d'aujourd'hui, Guillaume et moi allons prendre la parole pour vous présenter un peu très rapidement les ressources de Culture Tech. L'idée, c'était surtout de faire remonter des bonnes pratiques et de faire partager les pratiques en matière de valorisation et de médiation de Culture Tech par des collègues des postes, notamment Myriam et Mathilde, qui viendront d'Allemagne. Est-ce que vous pouvez vous montrer, Myriam et Mathilde, que l'on vous salue et que vous saluez tout le monde? Sont-elles là? Elles ne sont peut-être pas là. Et Julie, si, elles Bonjour. sont là. Donc, Myriam et Mathilde parleront tout à l'heure de leur expérience dans le réseau des médiathèques en Allemagne. Donc, à tout à l'heure, je vous laisserai vous présenter juste avant que vous preniez la parole. Très bien. Et puis Julie d'Espagne, qui nous parlera également de ce qu'elle a mis en place en matière de valorisation de Culture Tech auprès de ses usagers. Julie, est-ce que tu es là? Julie arrive. Non. Si. Salut Julie. Vous m'entendez? On t'entend Très très bien. bien. Ok. À tout à l'heure donc. À tout à l'heure. Voilà, et la dernière chose que je voulais vous dire avant que nous commencions, c'est que nous sommes très intéressés par ce que ce contexte très particulier a provoqué dans vos missions, dans vos activités. Si vous souhaitez partager avec nous sous forme de capsule vidéo ce que vous avez pu mettre en place en matière de médiation à distance, de valorisation de votre offre numérique, et de votre pratique culturelle. L'idée est de produire une petite capsule de quelques minutes, pas besoin de maîtriser les techniques du montage. Il s'agit de vous filmer, de vous présenter, d'expliquer ce que vous faites, quel poste vous occupez, quelle était votre problématique dans ces périodes de confinement, de fermeture de centres, d'établissements et de médiathèques, de les partager avec nous et ces capsules seront ensuite rendues disponibles sur nos chaînes diverses. Voilà, donc c'est l'occasion de à la fois ça, de partager un peu et de rendre accessible tout ce que vous faites et puis de vous connaître et nous de pouvoir répondre aussi à vos besoins. Voilà. Et ben Guillaume, c'est parti.
C'est parti. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que Frédéric Jagu est bien avec nous dans l'organisation du webinaire. Il est dans les coulisses et il pourra répondre aux questions via le chat. Donc, n'hésitez pas aussi à refaire appel à lui aussi une fois que ce webinaire sera passé. On est à votre disposition. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais... Désolé, ça arrive, on recommence. Donc, ce que moi, je voulais commencer un peu pour vous, donc rappeler un petit peu ce que c'était Culture Tech très, très rapidement, puisque la plupart d'entre vous, évidemment, vous le savez. C'est la bibliothèque numérique que l'Institut français Paris met à disposition de l'ensemble des instituts français, des alliances françaises. À l'origine, donc ça a été fait, ça part d'une initiative qui vient de l'Institut français du Royaume-Uni, puis après ça a été proposé à tous, ça a été proposé donc à tous les instituts, à toutes les alliances françaises, et l'idée c'était d'accompagner les collections numériques de la médiathèque, puisque ça se structurait à ce moment-là. De plus en plus, depuis 2012-2013, l'ensemble des services des instituts français et des alliances françaises s'en sont emparés, avec de plus en plus d'apprenants de français qui interagissaient avec nous, qui ont interagi avec vous tous, médiathécaires. Et donc, de plus en plus, la plateforme est devenue vraiment un outil pour l'ensemble des IF et des AF. Ça aujourd'hui, on est toujours dans ce domaine et on le voit bien avec la période très particulière dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où Culture Tech vient un peu, pour un certain nombre d'entre vous, revenir un petit peu sur le devant de la scène, et on espère véritablement pouvoir capitaliser dessus pour montrer que nos pratiques ont changé, ont évolué, et que vous allez pouvoir proposer Culture Tech, de la médiation aussi numérique plus généralement, à l'ensemble de vos publics, que ce soit des francophiles, que ce soit des personnes qui apprennent le français, et que ce soit des personnes qui soient présentes dans vos villes ou bien qui soient à distance. Donc c'est vraiment un moment charnière et ça vaut le coup de participer un petit peu à ça et de s'en emparer. Et on est en train de construire quelque chose et donc on est à votre écoute. Maintenant, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, donc vous le savez, il y a cette épidémie partout dans le monde, on est de plus en plus confinés. Nous, à l'Institut français Paris, on a voulu vous proposer un accès à Culture Tech pour que vous puissiez communiquer à vos utilisateurs jusqu'au 15 avril sur la gratuité de la plateforme pour l'ensemble des personnes qui s'inscriront jusqu'à la fin du mois de mai. Aujourd'hui, on s'est arrêté sur ça. Ça a l'air de vous avoir plutôt satisfait puisqu'on est sur une vraie réussite de cette opération. Avec la semaine dernière, donc on est déjà à peu près à 12 000 personnes qui se sont connectées donc via cette offre spéciale que vous avez relayée sur les réseaux sociaux. Quand on regarde les statistiques aussi d'inscription de Culture Tech, c'est multiplié par 4, multiplié par 5. Dans les inscriptions que vous mettez en œuvre. Donc là, c'est un moment important de pouvoir justement essayer de toucher des publics beaucoup plus larges qui sait un petit peu ce que fait l'Institut français, qui sait un petit peu ce que fait l'Alliance française, mais d'en profiter, de communiquer sur justement les potentialités de nos outils, de nos actions. Eh bien, c'est un bon moment. Donc, on vous a proposé cette offre spéciale. Il n'est pas tout à fait prévu qu'on la prolonge. Si néanmoins vous avez des souhaits particuliers par rapport à ça, n'hésitez pas, on en discute, parce que notre objectif, c'est d'être à votre service et de trouver la meilleure solution aussi. Donc là aussi, on en reparlera. Donc une très belle couverture média. On vous a communiqué un certain nombre de supports de communication pour les réseaux sociaux, pour vos sites internet, par rapport à cette offre spéciale, par rapport à Culture Tech en général. Vous avez aussi la possibilité de les traduire. Il y en a certains qui l'ont fait. Je fais un petit coucou aussi à l'Alliance française du Nicaragua, qui a été la première et la plus réactive sur la traduction en espagnol des supports de communication. Donc n'hésitez pas à y aller, à partager, à vous en emparer. On est beaucoup sur les réseaux sociaux et on voit de belles initiatives, que ce soit sur Instagram. Beaucoup sur Instagram, j'ai l'impression que Culture Tech a réexposé un peu sur Instagram, et c'est vraiment un hashtag à suivre parce que vous faites vraiment des choses qui sont assez géniales. Mais ça, on en reparlera.
Donc voilà, les réseaux sociaux, les sites internet, cette communication, elle a mis pour nous un tout petit peu de temps. On aurait aimé être encore plus réactif, vous proposer cette offre spéciale, mais on a réussi à pouvoir justement la mondialiser et donc ça a plutôt bien fonctionné. De nombreux collègues qui sont ici présents, j'ai vu passer nos collègues de l'Institut français d'Égypte ont aussi été très réactifs sur la communication de Culture Tech, et c'est vraiment essentiel parce qu'on le voit au niveau des statistiques de consultation, là aussi ça a été multiplié par 4 et par 5, avec toujours beaucoup une persistance des consultations. On voit qu'on n'est pas, pour entrer un tout petit peu dans le technique, on n'est pas sur des connexions rebond, c'est-à-dire où la personne va arriver sur Culture Tech et tout de suite elle va en repartir. On est bien sur un usage qui est régulier de la plateforme, où un utilisateur va découvrir tous les contenus, il va essayer de picorer et petit à petit, il va rentrer un peu plus dedans et approfondir certains documents. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et la communication, il ne faut pas lâcher dessus, puisque Culture Tech est très riche, 200 000 contenus, vous le savez, et c'est très très facile de s'y perdre. Et donc, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous relayer, parce que tous les coups de cœur que vous pouvez avoir, on en a parlé un petit peu sur EbibDoc, des coups de cœur. Ça c'est important parce que ça permet de mettre l'accent sur tel ou tel contenu. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc, par rapport à cette opération. Il y a nos collègues qui discutent beaucoup autour du hashtag CoronaFLE, les collègues enseignants ou les collègues des pédagogies qui s'occupent des centres de langue, qui tous les jeudis à 14h sur cette même chaîne de webinaire de l'Institut français donc propose un certain nombre d'opérations, et c'est un peu le hasard du calendrier, mais ce jeudi à 14h on va, c'est Marie-Charlotte surtout qui va en parler, qui va évoquer Culture Tech et l'utilisation pédagogique qui peut en être fait. Donc voilà, mais n'hésitez pas à vous y connecter aussi, à vous en inspirer, puisque ces publics d'apprenants sont évidemment des publics importants pour les médiathèques. Voilà, j'ai parlé un petit peu des EbibDoc. Il y a eu un petit peu beaucoup d'échanges dessus. Là aussi, Frédéric Jagu a préparé un petit récapitulatif qu'il met à jour sur les différentes opérations qui se passent dans les initiatives, dans les médiathèques, dans les initiatives à distance. On en a vu passer des vraiment très intéressantes, que ce soit la lecture de livres en direct sur Facebook ou sur Instagram, comme on a pu le voir par exemple à l'Institut français du Portugal. Il y a aussi les cafés confinés de l'Institut français d'Égypte, qui sont aussi hyper intéressants. Alors, j'ai pas tout vu, mais il y a vraiment des super initiatives, et là aussi, on va revenir vers vous, on va communiquer, c'est important de pouvoir parler de ce qui se passe. Moi, je voulais aussi mettre l'accent sur deux, trois petites choses que l'on fait au niveau de la médiation. Ce que vous pouvez faire, c'est profiter à fond des réseaux sociaux, de faire des Facebook Live ou des vidéos Instagram ou éventuellement sur Twitter. C'est un peu moins... Twitter est peut-être pas le réseau social le plus adéquat pour contacter nos publics, mais Facebook, Instagram énormément, et donc de faire de la lecture de livres jeunesse, de pouvoir lire éventuellement des extraits. Il y avait une question sur EbibDoc autour des droits. On a le droit tant que ces vidéos ne sont pas là pour perdurer. C'est une interprétation que vous faites de l'œuvre et vous ne vous appropriez pas l'œuvre, donc ça, il n'y a pas de souci. Et tant que vous ne lisez pas forcément l'œuvre en entier, il n'y a pas de problème par rapport à ça tant que vous êtes dans les extraits. Voilà. Il y a aussi des choses que vous pouvez faire autour de la musique. N'hésitez pas à créer, par exemple, des DJ sets où vous allez pouvoir faire découvrir une petite sélection musicale de quelques morceaux aussi. Et peut-être que vous pourrez aussi attirer l'œil d'un artiste sur les réseaux sociaux qui se joindra à vous et qui sera intéressé aussi pour pouvoir parler de sa musique. N'hésitez pas à en profiter pour les contacter, pour toucher au public de manière toujours plus large. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous sur la manière qu'on a de communiquer sur Culture Tech. Marie-Charlotte vous parlera un petit peu des nouveaux contenus qu'on a mis sur la plateforme très récemment. Vous avez été aussi plusieurs à évoquer le fait qu'il faut qu'on ouvre un petit peu plus les accès, notamment sur la presse, mais aussi sur la littérature. Donc, on voulait, vous rassurer. Que ce soit pour la littérature, on suit l'état
de réserve des prêts et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pénurie. Tous les livres sont bien tous accessibles aux utilisateurs quand ils le souhaitent. Vous connaissez le fonctionnement. Il faut emprunter le livre numérique. On peut s'inscrire sur une fiche de réservation si tous les exemplaires numériques ont été prêtés. On veille bien sur ça. C'est Marie-Charlotte qui s'en occupe beaucoup et qui... Et notre politique documentaire, elle est véritablement de pouvoir encourager aussi la création contemporaine, la plus contemporaine possible. Donc, n'hésitez pas à renvoyer aussi vos usagers vers les différentes pages de CultureTech, vers les différentes sélections thématiques, puisque si un ouvrage est peut-être très consulté à un instant T, il le sera probablement un peu moins plus tard. Donc, n'hésitez pas à essayer de le retourner vers vos usagers pour leur proposer des ouvrages d'autres du même auteur ou éventuellement dans le même genre en attendant que celui-ci se libère. Exactement le même fonctionnement que dans une bibliothèque avec les collections physiques. Là. Voilà. Et puis par rapport à la presse, aujourd'hui on avait besoin de voir, donc comme je vous le disais, notre consultation a été multipliée par 4, par 5. On était aux alentours, on est à plus de 12 000 personnes qui se connectent chaque jour sur CultureTech. Et on a besoin de voir dans un premier temps comment évolue aussi la consommation de la presse. Parce que c'est très clairement la ressource qui est la plus consultée, qui est pour nous la plus coûteuse. Et on ne souhaite pas qu'il y ait des risques de mise en péril du projet. Donc aujourd'hui, la presse, on reste sur 15 titres accessibles par mois. Mais vous pouvez revenir plusieurs fois sur le même titre. La question s'était posée pour les enseignants, par exemple, quand ils ont identifié un article dans un journal et ils veulent pouvoir le proposer à leurs enseignants en ligne. Cet article, lui, ne sera pas à chaque fois, enfin, ça ne consommera pas un crédit et il sera bien accessible. Donc, n'hésitez pas à revenir sur le même, à le garder en favori, le magazine, le journal, et à y revenir puisque vous pourrez. Ça ne reconsommera pas de crédit. Donc, allez-y sans crainte. Et peut-être qu'on ouvrira un peu plus tard en voyant comment la consultation évolue, mais notre enjeu, c'était de garantir un petit peu la pérennité du projet sur l'ensemble de l'année et ne pas le mettre en danger par cette opération spéciale. On veut communiquer plus largement. Allons-y. Mais pour l'instant, dans la limite de... presque des stocks que nous avons de consultation de documents numériques. Voilà un petit peu pour ces thématiques un petit peu terre à terre. Et je voulais donc passer la parole à Myriam et à Mathilde de l'Institut français d'Allemagne à Berlin et à Stuttgart pour qu'elles puissent évoquer justement la façon dont très concrètement des opérations ont été mises en œuvre pour répondre à cette situation très spéciale. Donc, est-ce que vous pouvez venir sur scène? Voilà. Il faut peut-être que je vous invite, non, c'est bon. Voilà. Vous êtes là, moi je me retire. Représentez-vous, présentez vos fonctions, et puis à vous les studios. Bonjour, est-ce que vous m'entendez déjà? Ça marche, oui. Donc, je suis Myriam Louviot, je suis chargée de projet au Bureau du Livre, donc au sein du SCAC à l'ambassade à Berlin. Et donc, le Bureau du Livre, c'est le Bureau du Livre de l'édition et des médiathèques, et je m'occupe notamment de CultureTech. Ce que je voulais faire peut-être, c'est commencer par vous dire un peu rapidement comment on travaillait sur CultureTech avant la crise, comment ça fonctionne. Je pense qu'on a des enjeux et sans doute des difficultés qui concernent beaucoup d'entre vous. Et puis après, on pourra peut-être dire quelques mots de ce qu'on a mis en place là, ces dernières semaines. La situation en Allemagne, elle est un petit peu particulière, peut-être parce qu'on a un assez gros réseau. C'est donc 10 médiathèques d'instituts français qui proposent CultureTech, mais c'est aussi 8 centres franco-allemands. Et donc des structures avec des formats très différents, des équipes très variables, des instituts qui sont importants, donc qui sont plus petits, des centres franco-allemands qui sont parfois vraiment très, très réduits, des équipes qui sont, là, je pense que c'est quelque chose qui est très partagé, mais qui sont largement en sous-effectif par rapport à ce qui est attendu en termes de travail à accomplir. Et donc, c'était une des grandes difficultés. À la fois, CultureTech devrait pouvoir nous aider à compenser un petit peu ces sous-effectifs et cette difficulté, et en même temps ça rajoute aussi une charge. Donc jusqu'à présent, CultureTech, c'est moi qui le gérais, c'est-à-dire de manière centralisée, qui faisait les mises à jour.
Mais comme par ailleurs, je ne m'occupe pas ni que des médiathèques, ni que de Culture Tech, ça prenait aussi beaucoup de temps. Donc, on a fait des choix un petit peu stratégiques et on avait mis l'accent sur deux choses principales. D'une part, la mise à jour de la page d'accueil, où là, effectivement, on propose des sélections. Et sinon, on met l'accent sur la partie apprendre en lien avec les projets de la coopération éducative. Donc, je peux peut-être vous montrer sur la page d'accueil le genre de choses qu'on fait encore. Alors, c'est pas très rapide, mais ça va marcher. Voilà. Donc, ça, c'est la page d'accueil de Culture Tech. Et nous, ce qu'on fait de manière régulière, c'est de mettre en page d'accueil des liens vers des événements qui sont liés à notre programmation culturelle. Au mois de mars, par exemple, on avait, alors théoriquement, la foire de la Leipzig qui a été annulée in extremis, mais notamment une grande soirée polar, crimée à la française, dont une partie a quand même pu se tenir à Berlin juste avant les annulations. Et donc, là, c'est un petit peu exceptionnel, mais en temps normal, on le fait aussi, c'est-à-dire qu'on met sur Culture Tech à la fois un petit lien vers les événements, un petit texte pour expliquer ce qui a eu lieu, et puis bien sûr, on choisit des sélections en lien avec l'événement. Donc, par exemple, Crimée à la française, on a mis une sélection des livres, des auteurs qui ont été invités dans les années précédentes. Parfois, on fait des liens aussi plus larges vers d'autres thématiques. Voilà, ça, c'est des choses qu'on faisait de toute façon déjà avant. Et ce qu'on fait aussi, c'est donc par rapport à la page « Apprendre », c'est-à-dire qu'on fait le lien vers les projets sur lesquels on travaille avec la coopération éducative et linguistique. Donc, pour nous, il y a deux projets principaux, c'est le prix des lycéens allemands et Francomix. Prix des lycéens allemands, c'est un prix qui s'adresse aux élèves allemands qui lisent trois livres jeunesse en français et qui choisissent leurs favoris. Et puis, l'auteur gagnant vient recevoir son prix qui est remis par les élèves. Donc ici, on met juste une entrée très simple, hein, quelques lignes. Simplement, on a un lien à chaque fois vers la page de l'Institut français qui présente les détails du prix. Et puis, on en a profité aussi pour faire une page plus détaillée sur l'édition de cette année. On représente un petit peu le prix et on fait un focus sur l'auteur lauréate. C'est une page qui est très peu... alors, ça va arriver, hein, mon ordinateur est juste très lent, mais là, on a vraiment la vidéo et ça marche. La page, elle est un petit peu cachée, mais ça nous permet de faire un lien directement vers la page que nos collègues de la coopération éducative peuvent ensuite envoyer dans leur newsletter, par exemple. Pour Francomix, donc, c'est un concours cette fois autour de la bande dessinée. Même chose, on a sur la page Apprendre, on a quelque chose de relativement simple avec un petit peu de texte qui explique de quoi il s'agit. Mais ensuite, on peut cliquer et aller voir sur les détails du concours. Et puis, bien sûr, c'est un concours qui est basé sur des ressources qui sont sur Culture Tech cette fois. Au prix des lycéens allemands, ce n'est pas 100% le cas, mais pour Francomix, ça l'est. On choisit des bandes dessinées qui sont sur Culture Tech. Donc, de toute façon, c'est des actions qui nous permettent de toucher beaucoup de monde parce qu'on communique largement sur le fait que les écoles peuvent participer sans acheter les livres, mais simplement avec des abonnements à Culture Tech. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qu'on faisait de toute façon avant, qui marche, hein, d'une certaine manière, mais qui, évidemment, ne permet pas de compenser le fait qu'on n'a pas forcément toujours le temps. Et surtout, ce qu'on constate, et je pense que c'est vrai pour beaucoup, c'est-à-dire que finalement, la plateforme reste relativement mal connue, et je dis ça y compris parfois par nos équipes ou par nos collègues. Elle propose des ressources gigantesques et on ne les maîtrise pas toujours si bien. Donc, finalement, la crise actuelle, d'une certaine manière, nous a permis de travailler là-dessus, et je pense que ça peut aussi être ça peut aussi beaucoup nous aider pour la suite, parce que d'abord, dans un premier temps, ça nous a permis de fédérer toute l'équipe des médiathèques, et chez nous, c'est beaucoup de monde, donc 10 en première ligne, 8 ensuite, avec parfois plusieurs personnes, donc ça fait des équipes entières qui tout d'un coup vont se plonger vraiment dans Culture Tech, maîtriser non seulement les ressources qui sont disponibles, mais aussi comment ça marche, comment on télécharge un e-book, comment on explique à quelqu'un qui a un Mac, alors qu'on a soi-même un PC, enfin, ce genre de choses, ça nous oblige aussi tous à nous remettre à jour. Et puis, ça nous a permis aussi de présenter à nos collègues ce qu'on fait et qui est souvent assez mal connu. C'est sans doute déjà vrai pour les médiathèques, c'est encore plus vrai pour Culture Tech. Dans ce contexte de crise, c'est pour nous l'occasion aussi de montrer tout ce qui se fait, de montrer à quel point on travaille déjà en réseau depuis longtemps,
à quel point les équipes sur le terrain sont très, très impliquées, puisque c'est, je pense que ça s'est vu aussi beaucoup à cette occasion-là. Et donc, on a mis en place, du coup, avec chez nous, avec l'équipe de la com, mais aussi avec les collègues des autres bureaux, un projet d'ensemble qui s'appelle « La France dans ton salon ». Frank Reichen von Zimmer, La France dans ton salon, et qui en fait regroupe nos offres en ligne, c'est-à-dire l'offre de cours en ligne, culture tech, et ce que par ailleurs les bureaux peuvent transmettre sur l'actualité culturelle. C'est très lent, mais c'est là. Donc là aussi sur le site, c'est très simple, hein, on présente juste, ça renvoie vers des pages qui existent de toute façon, mais qui sont mises à jour. Ici, c'est notre présentation de culture tech sur notre site, où on a réexpliqué dans le détail comment ça fonctionnait, où on présente l'offre donc de test gratuit et où on a rajouté quelques questions. Alors, c'est un mini FAQ avec quelques questions principales qu'on nous pose en permanence. Comment on fait pour créer ce compte gratuit? On a déjà un abonnement, mais on n'a plus ses identifiants. À qui on s'adresse, etc. Voilà, donc des choses assez basiques. Et donc, sur Culture Tech, on a aussi travaillé pour rendre la plateforme plus en lien direct avec les équipes des médiathèques, c'est-à-dire pour lui redonner un petit peu le visage qu'elle peut avoir dans les antennes. Et on a mis en avant les coups de cœur. Donc, j'ai fait une page, ça apparaît sur la page d'accueil, les coups de cœur des médiathèques, avec un petit lien. Et ensuite, donc on arrive sur une page interne où à chaque fois, je reprends l'en-tête, comme ça, on peut envoyer directement le lien vers cette page-là. Et ensuite, on a des sélections par médiathèque et même par médiathécaire, chacune ou chacun ayant mis à la fois ses choix et en général les ayant commentés, c'est-à-dire en ayant attribué des étoiles, fait des petits commentaires qui sont parfois très, très détaillés. Ça, c'est à la fois c'est l'avantage pour le coup d'avoir une très grande équipe, c'est beaucoup de monde qui travaille. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais on est suffisamment nombreux pour que ça marche très, très bien. Et puis, ça permet de donner effectivement un visage un petit peu plus personnel aux actions. On a par ailleurs envoyé une newsletter, on envoie maintenant une newsletter hebdomadaire à tous les abonnés aux médiathèques, soit en s'appuyant sur les newsletters qui existaient dans certaines antennes, soit en la mettant en place quand ce n'était pas le cas. Et là aussi, on a fait le choix cette fois d'avoir une newsletter unifiée, c'est-à-dire elle est préparée par moi à la centrale, envoyée aux antennes qui éventuellement ajustent ou font des propositions d'ailleurs en amont qui sont parfois intégrées. Et cette newsletter, elle sert à présenter eh bien, les ressources qui sont sur Culture Tech en priorité. Je peux vous montrer rapidement un exemple. Bon, là, c'est une version PDF, elle n'est pas très jolie, elle n'apparaît pas tout à fait comme ça, mais enfin, en gros, c'est ça, La France dans ton salon, un petit édito, et on a mis des liens alors, vers les coups de cœur, mais aussi, par exemple, dans la dernière, on remet un lien vers la page d'explication comment télécharger un livre sur Culture Tech. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps dans les échanges de mails avec les abonnés. Mais aussi, on a choisi quelques sélections. Alors, laissez pas. Là, un petit focus sur notre auteur, lauréate du prix des lycéens. Voilà. Et puis, un petit lien pour des infos supplémentaires. Dans la première newsletter, on avait aussi mis un petit lien vers les cours en ligne, puisque c'est évidemment un des gros enjeux par ailleurs pour l'Institut. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'offre globale. Je vais peut-être laisser Mathilde présenter la manière dont à Stuttgart, ils ont décliné cette offre. D'ailleurs, ils ont aussi beaucoup travaillé. D'ailleurs, je pense que celle-là, c'est le visuel lancé par Stuttgart aussi. Merci Myriam. Alors bonjour à tous, moi je suis Mathilde Fourgeau de l'Institut français de Stuttgart. Je suis bibliothécaire et assistante culturelle. Voilà. Donc pour faire suite à ce que Myriam vient vous de présenter, nous on a décidé de décliner l'offre La France dans ton salon sous différentes formes et notamment la première qui était la plus simple pour nous à mettre en place, c'était un livre dans ton salon. Donc, qui était le partage de nos coups de cœur trois fois par semaine sur nos réseaux sociaux. Évidemment, coups de cœur, donc des livres. Je suis plutôt restée sur des romans contemporains et de la bande dessinée qui sont toutes disponibles sur Culture Tech. Donc, c'était évidemment l'enjeu de ces coups de cœur, c'était que les gens puissent y avoir accès de chez eux.
Bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je partage. Donc évidemment, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure, on est parti d'Instagram à la base. Et autour de visuels définis, donc c'était vraiment important pour nous que ce soit très, très identifiable visuellement. Voilà, on partage nos coups de cœur ainsi sur Instagram. Le dernier en date, et on l'accompagne voilà, d'un texte un petit peu plus approfondi, un peu plus personnalisé, avec évidemment les hashtags qui vont avec. Et ça, on le décline également sur Facebook. Alors, attendez. Voilà. Donc là, on retrouve la même chose sur Facebook. Ce sont les mêmes textes, et simplement que nos publics Facebook et Instagram sont très différents. Donc voilà, ça nous permet de communiquer plus largement. Toutes ces recommandations sont également visibles sur notre site internet. Donc, à partir de la page montrée par Myriam tout à l'heure, on essaye vraiment de la mettre à jour régulièrement. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble chez nous, parce que l'avantage de cette page, c'est qu'on peut vraiment l'adapter localement. Après, bon, j'espère que vous voyez. Donc voilà, nous, c'est la partie du bas. Pareil, on met les couvertures, un lien qui nous permet de consulter les recommandations. Donc ça, c'était vraiment les premières actions qu'on a mises en place avec ma collègue stagiaire, Lola. On a également mis en place un petit jeu concours. On aimerait en mettre plusieurs en place, mais pour l'instant, on a fait le premier sur Facebook qui consiste pour l'instant à partager des extraits de livres qu'on est en train de lire. Évidemment, à la clé, la personne qui sera tirée au sort pourra gagner un abonnement Culture Tech. Donc voilà, c'est toujours l'idée de valoriser cette offre. Et comme l'a déjà dit Myriam, toutes ces recommandations sont transférées sur Culture Tech. Donc on met tous ces avis-là pour alimenter les différentes ressources directement sur Culture Tech. Donc, suite à ça, on a voulu étendre un peu l'offre avec le projet Un auteur dans ton salon. Donc là, c'était la grande question du format vidéo, donc de ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire. Nous, ce qu'on voulait faire, en l'occurrence, c'était simplement des petites vidéos qu'on pouvait partager sur Instagram dans un premier temps, avec la présentation d'un livre et une lecture d'un extrait court. Donc, ce serait évidemment l'idée de partager les coups de cœur et également partager des vidéos sur des livres écrits par des auteurs qui sont invités dans les semaines qui arrivent, donc sans savoir encore s'ils vont être là ou pas. C'était vraiment l'idée de quand même les faire apparaître dans notre programmation, même si la situation fait qu'ils ne pourront pas forcément être là à Stuttgart avec nous. Concernant les droits d'auteur, Guillaume l'a évoqué rapidement. Nous, le problème, c'est que comme la vidéo ne sera pas effacée au bout de 24 heures, parce qu'on aimerait qu'elle reste en post Instagram, Facebook, on aimerait également la mettre sur YouTube, sur le compte de l'Institut français Allemagne. On s'est un peu renseigné et j'ai tout simplement contacté les maisons d'édition qui étaient concernées par la question. Je leur ai expliqué un petit peu le projet rapidement, je leur ai indiqué l'extrait qu'on souhaitait lire, la date de diffusion, et ils m'ont simplement donné leur anchor de principe, donc pas de problème, ça ne coûte rien, ils veulent simplement être mis au courant, et simplement il faut créditer l'extrait en fait à la fin de notre vidéo, et indiquer les références de manière assez classique. Donc, je vous invite, si vraiment vous voulez faire ce genre de vidéo, à contacter directement les détenteurs des droits et vous aurez rapidement la réponse. Et donc, voilà, c'est tout pour moi. Après, je ne sais pas si Guillaume
Et là, voilà. On a fini ce matin la première vidéo qu'on souhaitait partager. Oui. Alors, on n'est pas obligé de la regarder en entier. Ce que je propose, si tu peux la lancer, Guillaume, c'est de laisser les premières secondes et après de passer directement à 1 minute 30. Comme ça, vous aurez le concept de la lecture et la fin avec le générique pour voir un peu comment on a décidé de créditer tout ça. Très bien. Merci. Super. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter la vidéo de Sylvain Prudhomme. Il s'agit d'un récit et sans emphase avec des personnages ordinaires habités par des questionnements et des crises profondes. Sacha est un écrivain parisien en pleine crise de la quarantaine. Il déménage dans une petite ville. J'aime et redoute à la fois l'idée qu'il existe une ligne d'ombre. Une frontière invisible qu'on passe vers le milieu de la vie, au-delà de laquelle on ne devient plus, simplement on est. Fini les promesses, fini les spéculations sur ce qu'on osera ou n'osera pas demain. Le terrain qu'on avait en soi la ressource d'explorer, l'envergure de monde qu'on était capable d'embrasser, on les a reconnus désormais. La moitié de notre terme est passée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce livre. Et si vous voulez en savoir plus sur la... Petit générique, si jamais... J'avais coupé nos micros, parce qu'effectivement, ça faisait de l'écho. Merci à Elsa. Vas-y, Mathilde. Super. Et donc, après ça, on a encore le générique où, en fait, vous voyez un peu comment c'est crédité. Et c'est très, très simple. Enfin, donc, voilà, c'était tout. C'était... De notre côté à Stuttgart, c'était vraiment pour tout ce qui concerne la culture tech. Au niveau du culturel, on essaie aussi de mettre en place des choses en contactant des artistes, mais c'est plus difficile à mettre en place. C'est l'avantage que, comme culture tech, on a vraiment des ressources déjà existantes. Ça a été vraiment une chance dans la précipitation de pouvoir avoir quand même ces ressources déjà là, tout simplement. C'est une très belle initiative, effectivement, ça a beaucoup de succès et il y a un rapport aussi un peu privilégié qui se noue entre alors la personne qui lit, si en plus c'est quelqu'un de l'Institut français, de l'Alliance française, ça permet aussi de se faire connaître et quand on a un vrai talent comme ça, comme celui de Mathilde, c'est voilà, très, très agréable. Et du coup, pour terminer votre session autour des initiatives de l'Institut français d'Allemagne, moi j'avais noté trois petites questions. Alors il y en avait deux pour Myriam et il y en avait une pour Mathilde. Myriam, il y avait la question, est-ce que tu pourras partager la lettre d'information en PDF, éventuellement le lien, soit dans le chat, soit dans le chat, je pense que ça peut être bien. Et la question c'était, est-ce que vous rédigez vos newsletters, vos lettres d'information uniquement en français ? Alors, je vais pouvoir partager, pas de problème. Et effectivement, pour l'instant, toutes ces newsletters sont uniquement en français parce que c'est le public des médiathèques. Pour nous, se pose la question de la suite, puisque de fait, Bureau du Livre, moi, je travaille beaucoup avec des interlocuteurs qui ne parlent pas français ou pas suffisamment, en tout cas, pour être dans ce niveau d'échange. Donc, on s'est posé la question, effectivement, de la langue et on réfléchit comment articuler avec le public non francophone ou très peu francophone. Je sais que certaines médiathèques ont envoyé quand même une newsletter bilingue. Et souvent, les newsletters des médiathèques sont en français, de fait. Oui, là aussi, il y a un vrai sujet. Alors, on se posait la question avec Frédéric Jagu, avec Marie-Charlotte Baoudour, des suites qu'on pourrait donner au webinaire. Et très clairement, la façon dont on discute avec nos publics en français, en langue locale, éventuellement en français, anglais, pour être le plus international possible, c'est un vrai enjeu. Moi, j'avais une question pour Mathilde. Enfin, il y a une question pour Mathilde d'Elsa qui est passée. C'était de savoir avec quel logiciel de montage vous posiez ces petites vidéos. Donc, ce n'est pas du tout moi qui le fais, c'est ma stagiaire au culturel actuellement qui s'en est chargée parce que c'est quelque chose qu'elle aime faire sur son temps personnel. Donc, elle s'y connaît un petit peu. Elle a utilisé After Effects
sachant que c'est une utilisation personnelle parce que nous n'avons pas After Effects sur nos ordinateurs de travail. Donc, c'est aussi une question. Après, je pense que quand on s'y connaît un petit peu en montage vidéo, il y a des choses gratuites, des logiciels gratuits. Elle m'a proposé de faire un dossier zip, en fait, avec tous les petits éléments de mise en page, comme ça, les génériques d'ouverture, avec toutes les informations pour insérer le texte et tout ça. Donc ça, elle a proposé de faire un petit pack et de nous l'envoyer pour pouvoir l'utiliser et l'adapter pour ceux qui le souhaitent. Merci, merci Mathilde. Il y avait une dernière petite question qui était effectivement intéressante. C'était pour savoir si vous avez. C'était une question d'Annabelle Malandrin de l'Alliance française de Dublin, qui voulait savoir si vous avez déjà eu des retours d'usagers sur ces opérations. Est-ce que ça a débouché sur du clic, sur des compliments, sur peut-être pas tout de suite des abonnements, quel retour public vous avez déjà eu? Alors, on a des retours, on a fait de la pub sur Facebook aussi, et là, on sait qu'on a à peu près 600 personnes qui ont cliqué sur le lien de l'offre, par exemple. On ne sait pas, on suppose qu'ils sont inscrits, ça serait une vraie question. En tout cas, il y a 600 personnes qui ont tenté. Ça, c'est donc ceux qu'on ne voit pas, puisque ceux-là, c'est l'offre qui est directement gérée par vous. Et après, je vois, en tout cas, moi, je reçois quand même beaucoup de messages. Alors, pour l'instant, ce sont plutôt les habitués des médiathèques qui n'utilisaient pas beaucoup CultureTech. Mais eux écrivent beaucoup pour savoir comment ça marche, ont des questions. Ils sont très contents. Il y a quand même beaucoup aussi de retours très positifs. Souvent, le premier retour est un peu inquiet. Je n'ai encore jamais lu un livre numérique, mais bon, il va falloir s'y mettre. Mais finalement, ça se passe assez bien. C'est difficile d'avoir vraiment des chiffres pour l'instant parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire des synthèses, mais les retours sont assez positifs. Peut-être Mathilde peut compléter pour Stuttgart. Oui, voilà. Alors, pour tout ce qui concerne les vidéos, on n'a rien lancé encore cette semaine, mais pour tout ce qui est communication via nos abonnés et via nos réseaux sociaux, j'ai eu pas mal d'inscriptions sur CultureTech d'abonnés déjà actifs à la médiathèque et qui veulent absolument continuer à lire. Moi, la première, j'ai dû m'y mettre. J'avais jamais lu un e-book, donc c'était le moment de s'y mettre aussi. Et c'est vraiment un temps précieux parce que j'avais jamais fait ça avant, mais au moins maintenant, je sais aussi, conseiller et je sais répondre à certaines questions techniques. Donc c'est vraiment précieux. Et au niveau des réseaux sociaux, on a des interactions beaucoup avec des abonnés en fait qui sont contents de nous retrouver. Sur Facebook surtout, où le contact est un peu plus personnel. Et sinon, sur Instagram, on a eu énormément de nouveaux abonnés, bon, qui sont dus de toute façon au fait qu'on utilise des hashtags et ce genre de choses. Pas forcément des gens qu'on connaît, mais ça, voilà, c'est les premiers retours qu'on a pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais proposer donc à Julie. Il y a encore d'autres questions, donc là on échangera. Hein. On n'a pas pu répondre à tout, mais on reviendra vers la liste EbibDoc. Frédéric va vous donner le lien pour que vous puissiez vous inscrire et suivre ces discussions après par liste de diffusion. En tout cas, merci beaucoup Mathilde, merci beaucoup Myriam, et on fera le lien après sur les autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre là. Il y avait une question par rapport au retour d'usage, donc je vais proposer à Julie de venir me rejoindre sur scène. Et je couperai mon micro, mais je resterai à côté, puisque Julie va nous parler justement un petit peu de la relation avec les utilisateurs et ce qu'elle a créé, ce qu'elle a mis en œuvre, est très intéressant. Je te laisse te présenter, Julie, et présenter aussi ton action. Ok, merci Guillaume. Vous m'entendez bien tous? Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, je travaille à l'Institut français de Madrid, donc dans un réseau qui est plus large, qui est celui de l'Institut français d'Espagne. Donc, je ne vais pas revenir trop sur les actions au niveau culturel qui ont été mises en place, puisque c'est à peu près les mêmes que celles en Allemagne et dans vos instituts, j'imagine. Donc, la création de sélections thématiques, la création de newsletters, l'utilisation des réseaux sociaux très régulièrement, etc., etc.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur quelque chose d'un petit peu plus concret, puisque vous le savez, les utilisateurs de Culture Tech souvent ont des difficultés techniques pour accéder aux différents contenus. On en parle beaucoup en ce moment, les fractures numériques, les inégalités par rapport à l'accès aux ressources. Nous en Espagne, ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser quelque chose qui est très, très à la mode en ce moment, qui sont les tutos. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais YouTube, Insta, etc. sont envahis de tutos, surtout en ce moment. Donc, l'idée, c'était aussi de créer des tutos pour aider les utilisateurs à naviguer dans Culture Tech et à pouvoir utiliser les différentes ressources, puisqu'à l'écrit, c'est quand même assez difficile pour eux de se rendre compte. Et à la vidéo, c'est plus pratique et c'est tout de suite plus, instinctif. Donc, moi, je voulais vraiment être dans une démonstration très pratique, puisque je vois qu'il y a certains qui demandaient quel logiciel utiliser pour faire des tutos. Donc, il ne faut pas avoir peur. On est tous un petit peu handicapés numériques en ce moment, mais on a un petit peu de temps, un petit peu plus de temps pour pouvoir explorer les différentes options, pour pouvoir créer des vidéos. Ne surtout pas avoir honte de son image. Ça, c'est un pas à passer aussi. Et je vais vous montrer la deuxième vidéo tuto que j'ai créée pour l'Espagne. Qui est en espagnol, hein, c'est un choix. Après, on peut tout à fait titrer. Et c'est un pas que je n'ai pas encore fait. Donc voilà, donc c'est un tuto qui dure 5 minutes, donc je ne vais pas vous le laisser en entier. C'est sur écouter, donc je présente les livres audio et la musique en deuxième partie, avec une petite vidéo d'introduction pour accueillir les gens et une vidéo donc je vais vous mettre la fin, je vous l'enverrai pour que vous puissiez écouter. Voilà. comment j'enlève la vidéo? Voilà, donc... merci. Merci Guillaume. vous voyez, c'est des vidéos qui sont très très simples, très basiques. Enfin, rien que mettre l'adresse mail à la fin de la vidéo, ça m'a pris une demi-journée, je pense. Mais bon, enfin, là, en ce moment, on a un petit peu plus le temps d'explorer, de tâtonner, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, je voudrais seulement vous montrer les deux logiciels que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Donc, vidéo non disponible. Je vous enverrai le lien juste après, hein. Donc, le premier, ça s'appelle OBS Studio. Je vous le mets dans le chat. C'est une vidéo qui enregistre l'écran. Donc, c'est une vidéo de capture d'écran. Enfin, c'est un logiciel de capture d'écran, mais pas en photo, comme on a l'habitude, mais en vidéo. D'accord? Donc, vous pouvez télécharger directement OBS Studio
sur Internet, donc c'est gratuit. Je vous mets le lien aussi, quand j'y suis. Julie, si tu veux bien, on mettra les liens et on mettra les noms des logiciels après ton... D'accord, si tu ok. Donc, je vais vous montrer juste très, très rapidement le logiciel en lui-même pour que vous voyez comme c'est simple et comme il ne faut pas avoir peur du tout d'utiliser ce genre de logiciel. Donc, je vais partager mon écran si j'y arrive. Voilà, donc là, vous voyez le logiciel normalement. Guillaume, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit bien. Mets-toi en plein écran parce qu'on a un effet de... ça a un nom, cet effet. Mets-toi en plein écran pour qu'on puisse voir que ta fenêtre, parce que là, on voit la fenêtre, qui voit la fenêtre, qui voit la fenêtre. Ah oui, mais ça, c'est le logiciel, c'est comme ça, en fait. Donc, c'était juste... Je vous montre juste pour enregistrer l'écran. Vous démarrez l'enregistrement. Ici, en bas. Donc là, ça enregistre ce que je suis en train de dire et l'écran en même temps. Le micro et l'écran. Et ensuite, vous entrez sur Culture Tech. Voilà. En étant connecté, évidemment. Et vous enregistrez votre petite démonstration. Donc, je vous conseille de le faire avant pour que ça marche du premier coup. Et que vous puissiez enregistrer le tuto d'un seul coup. Donc là, j'arrête l'enregistrement. Et ensuite, dans mes vidéos, où est-ce qu'elles sont mes vidéos? Dans mes vidéos, la vidéo apparaît, voilà, donc nous sommes le 7 avril, donc c'est celle-là. Et sur VLC, vous pouvez la voir normalement. Si ça s'ouvre. Voilà. Voilà. Donc ensuite, hop, vous avez toute la vidéo, donc Culture Tech. Donc ensuite, il suffit de couper le début et la fin de votre vidéo avec un autre logiciel. Moi, j'utilise Wondershare Filmorama 9. Donc c'est un logiciel de montage vidéo, tout ce qui est de plus basique, puisqu'il est aussi, également gratuit sur Internet. Donc là, je vous ouvre le projet que j'ai utilisé pour monter la vidéo du tuto. Voilà. Donc je télécharge mes trois vidéos, du coup, donc celle de Culture Tech en capture d'écran, la vidéo d'intro que j'ai faite avant et la vidéo de fin que j'introduis à la fin. Je monte ma petite vidéo en coupant les morceaux qui ne me plaisent pas, en coupant les bafouillages, etc. Et ensuite, j'envoie le tout en format MP4 à la com de l'Institut français qui se charge d'ajouter le logo de l'Institut français au début et à la fin pour faire un habillage et de le mettre sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Institut français d'Espagne. Et une fois que c'est en format YouTube, je mets sur Culture Tech. Et je fais le partage sur les... Enfin, je demande à la com de partager sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Alors, où est-ce que vous êtes? Vous êtes ici. Arrêtez le partage. Voilà. Donc, vous voyez, avec deux logiciels qui sont très simples d'utilisation, donc je vous donnerai les noms, c'est très facile et c'est des logiciels qui sont gratuits. Alors, le seul truc, c'est que pour le deuxième, le logiciel de montage vidéo, j'ai eu la mauvaise surprise à la fin d'avoir des marcas de agua, je ne sais pas comment on dit en français, de la publicité sur la vidéo. Parce qu'il fallait acheter la version premium, merci, Watermarks,
pour l'avoir sans ces marques. Mais je suis sûre qu'il existe beaucoup de logiciels de montage vidéo qui n'utilisent pas ça. En tout cas, moi, je l'ai téléchargé un petit peu illégalement, mais je ne vais pas le dire. Voilà. Et je voulais juste... Donc, je répondrai à vos questions. Et je voulais juste aussi vous dire que j'ai proposé aux profs, ce sont eux qui, en ce moment, essayent de maintenir à flot l'édifice, d'intervenir dans leurs cours dématérialisés. Donc, je ne sais pas si dans vos instituts, c'est la même chose, si les profs continuent à donner des cours en online. Nous, c'est le cas en Espagne, j'imagine que chez vous aussi, sur un logiciel qui s'appelle Blackboard ou sur Zoom. Donc, j'ai envoyé un mail au prof pour passer directement dans les différentes classes et montrer aux élèves toutes les ressources qu'il y a sur Culture Tech, en adaptant au niveau de la classe, évidemment. Et les profs ont été plutôt très réceptifs. Et ça permet de montrer directement aux gens comment utiliser Culture Tech. Et encore une fois, la vidéo et l'image donnent une notion de Culture Tech beaucoup plus simple. Et les gens se sentent moins perdus devant Culture Tech. Et ensuite, on peut montrer des fonds qui sont vraiment très intéressants pour les profs, des dessinés, la presse aussi. Des vidéos, etc. Enfin, je ne veux pas dire tout ce qu'il y a sur Culture Tech, mais je pense que c'est important d'aller chercher les gens et de leur montrer directement, voilà, c'est pas si difficile d'utiliser Culture Tech, vous pouvez faire comme ça et vous avez telle possibilité. Donc l'idée, c'est qu'on fasse le plus de médiathécaires possible, le plus de tutoriels possible, et pourquoi pas en français avec possibilité pour les autres médiathèque de pouvoir sous-titrer dans la langue de leur pays. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, mais surtout n'hésitez pas à oser, à trifouiller, à chercher des logiciels qui puissent vous aider, à demander à la com de vous soutenir et à utiliser vos stagiaires comme en Allemagne qui ont souvent plein de ressources. Voilà, je sais pas, je reste à vos dispositions si vous avez des questions sur ces pratiques-là. Ouais, merci beaucoup Julie. Oui, c'est très très intéressant. Les stagiaires, effectivement, ne pas oublier de travailler aussi avec le service de communication, c'est important. Toujours la transversalité. On a quand même des collègues qui sont très qualifiés, très compétents aussi. Donc comme Julie, n'hésitez pas à les mettre à disposition et ça leur permet aussi. Ils peuvent être aussi proposer des idées, donc n'hésitez pas, parce qu'eux aussi peuvent s'intéresser à Culture Tech, et ils peuvent avoir des idées formidables aussi que nous n'aurions pas eues. Moi, j'ai noté quelques questions, alors il y en avait une, je vais me permettre de répondre, puisque tu disais que tu mettais les tutos sur Culture Tech, et alors je ne sais plus qui demandait... Si on pouvait les voir sur Culture Tech, c'est Virginie de Marne. Non, ces vidéos, vous ne les retrouverez pas sur Culture Tech, vous les retrouvez que sur Culture Tech Espagne. Par contre, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, Julie, tu nous enverras le lien de la chaîne YouTube de l'Institut français d'Espagne. Oui, bien sûr. Mais moi, j'envoie, dès que j'en fais un, je l'envoie sur eBibDoc. Après, bon, ça peut être utile seulement aux pays hispanophones, mais bon... Et si tout le monde en fait, on pourra se les partager plus facilement. Oui, il y avait une question. Il y avait une question de Loïc Talouette de l'Institut français d'Izmir en Turquie qui évoquait le fait que nous, Institut français Paris, fassions ces vidéos sans voix, peut-être, pour que vous puissiez vous éventuellement poser votre voix et les traduire. C'est une question. On ne l'a jamais fait parce qu'on s'était dit que c'était peut-être mieux que ce soit vous qui le fassiez. Ce n'était pas ni par désintérêt, ni par forcément manque de temps, ni manque de moyens, mais vraiment parce qu'on s'était dit que c'était aussi vous permettre à vous de vous approprier la plateforme. À l'image de ce que nous disait Mathilde tout à l'heure, le meilleur moyen de connaître Culture Tech, c'est de le pratiquer. Donc, le meilleur moyen d'expliquer aux utilisateurs
comment fonctionne Culture Tech, bien, c'est aussi de vous mettre dans l'utilisation de Culture Tech et de voir et de vous mettre à la place de l'utilisateur pour lui présenter. Donc c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on pourrait le faire, je ne sais pas trop. En tout cas, on vous fournit quelques petits supports de consultation. On a les petits tutos vidéo qui sont plutôt visuels. On vous laisse à vous le plaisir de parler directement à vos usagers, de partager vos vidéos à l'image de ce que toi tu fais, de ce que tu fais, Julie. Si je peux me permettre, c'est plus facile de le faire et d'expliquer en même temps. Oui, tout à fait. Quand tu fais des captures d'écran, quand tu expliques en même temps et que tu montres ce que tu es en train de faire. Mmh. Et justement, il y avait une question qui était de savoir est-ce qu'il existait un tuto vidéo du logiciel de montage vidéo. Est-ce que tu sais si, est-ce que toi tu as eu besoin de ça? Non, parce que au final c'est assez facile d'utilisation. Enfin, c'est juste couler des vidéos en même temps, couper et. Enfin, je ne sais pas, mais j'en ai pas eu besoin en tout cas. D'accord. Ok. Mm. Il y avait une question aussi d'Elsa Manet qui demandait s'il était possible de sous-titrer ou de doubler ta vidéo dans la langue de ton du pays donc dans lequel on est. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors ça, je ne sais pas du tout. Les sous-titres, c'est je ne m'y suis pas encore intéressée, mais dans le logiciel que j'utilise, Wondershare, là, j'ai vu qu'il y avait possibilité de sous-titrer. Ouais. Mais je ne sais pas s'il faut que j'envoie le fichier source ou si j'ai pas encore exploré cette possibilité-là. Quand tu dis fichier source, ça... en fait, d'écrire sur un document texte, à quel moment est-ce que vous voulez, à quelle seconde vous voulez que le fichier, la phrase s'affiche et de trouver un moyen de compiler les deux. Je sais que le sous-titrage, c'est quand même c'est très chronophage, donc c'est pas quelque chose que j'ai encore envisagé. Je me suis lancée en espagnol tout de suite pour que ça soit accessible à notre public directement. Mais après, effectivement, les questions de faire des vidéos, de se les partager, de les sous-titrer en français ou dans la langue du pays, on peut y réfléchir tous ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que ça pourra faire l'objet de toute façon. On va recommuniquer à la suite du webinaire, on va recondenser toutes les informations, on va faire une communication un peu plus cadrée et on pourra, via EbibDoc, poursuivre un peu nos échanges. Merci beaucoup, Julie, pour ton intervention. Et effectivement, ça a l'air assez simple, ce que tu proposes. Il faut chercher un petit peu. Je pense que les vidéos que tu fais maintenant, la dernière vidéo, elle a été plus rapide que ta première, parce que je pense que c'est un coup de main à prendre. Donc, oui, c'est ça. Il faut tâtonner, il faut prendre le temps, quoi. Voilà. Et du temps, on en a un petit peu plus en ce moment. Donc... On en a un petit peu. Merci beaucoup, Julie. Merci, au revoir. Et maintenant, donc, je vais appeler Marie-Charlotte pour venir sur scène et qui va vous présenter un petit peu les dernières nouveautés sur Culture Tech au niveau notamment des contenus, qui va reparler aussi de l'éditorialisation pour que ce soit bien clair entre ce que l'on peut faire depuis avec la plateforme Monde et la plateforme de chacun de vos pays. À toi, Marie-Charlotte. C'est parti. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Je pense que oui. Ok. Alors, je vais très rapidement partager avec vous. Culture Tech. Je voulais faire un petit focus sur les dernières ressources que nous développons, qui sont les ressources audio. Il y avait déjà des livres audio sur Culture Tech, notamment dans les albums jeunesse et aussi dans la base Diversities. Il y avait certains livres qui étaient disponibles ou des émissions de radio. Nous avons depuis le mois de juillet 2019 toute l'offre. Comment dire ? Alors, je vais en profiter tout de suite, pardon. Toute l'offre des livres audio qui sont arrivés par le prêt numérique en bibliothèque. C'est-à-dire qu'on a des livres numériques des éditeurs en littérature et des polars.
J'arrive tout de suite. Ma page. Ok. Voilà. Donc, je suis passée très rapidement sur l'interface administration pour effectuer une petite modification puisque les deux onglets qui sont dédiés à ces ressources-là n'étaient plus visibles en ligne. Je rebascule sur la page écouter. Donc, sur cette page écouter, cette page était au départ destinée essentiellement à la musique. Et depuis du coup quelques mois, les ressources audio, dont les livres et les podcasts, sont disponibles dans les deux onglets. Donc on y arrive, pardon, pour ce petit délai. La particularité de ces livres audio, en fait, qui sont disponibles donc, dans cet onglet-là, je suis sur la page écouter, c'est que il faut emprunter en fait le livre en particulier, mais qu'ensuite vous arrivez en streaming, donc vous n'avez pas besoin de télécharger le fichier comme pour les livres numériques de littérature avec le mode de consultation habituel. Là, vous êtes directement en streaming sur la plateforme de l'éditeur. Donc ça, c'est une offre qu'on développe et qu'on va mettre davantage en avant. L'autre, ce sont les podcasts de Radio France qui sont arrivés. Donc pour l'instant, nous avons 3000 émissions qui sont arrivées de France Culture, avec toutes les émissions cultes que nous avons mis en avant ici et également sur une page dédiée. Voilà, tous les podcasts sont ici et les collections. Il y en a 10, donc 10 émissions cultes un peu de France Culture qu'on a souhaité vous présenter, et d'autres émissions de France Inter arriveront. Donc en matière d'éditorialisation, ce que nous avons souhaité faire à Paris, ce qui est proposé, c'est que sur la page écoutée, j'y vais. Il y a des sélections qui sont mises en avant, vous les voyez ici, les nouveautés des livres audio. Et les encarts aussi d'actualité. Donc là, quand vous cliquez sur cet encart d'actualité, vous arrivez sur la page qui met en avant tous les podcasts, en fait. Donc du plus récent au plus ancien, tous les podcasts de France Culture. Et c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire que vous cliquez sur la notice, vous avez le lien pour consulter, pour écouter le podcast. Donc vous arrivez sur France Culture. Voilà, en matière d'éditorialisation, vous avez la possibilité en fait de valoriser ces contenus-là en créant des sélections que vous mettrez vous-même en avant sur vos pages, de cette manière-là par exemple. Vous avez la possibilité aussi de les partager sur vos réseaux sociaux, sur vos sites internet, avec cet outil-là qui est un outil de partage. Vous pouvez partager en fait l'URL, donc vous faites copier l'URL. Et à partir du moment où vous avez un visuel quelque part, que vous avez créé soit dans un encart ou soit dans un visuel d'un post Facebook, vous pouvez créer un lien qui est cliquable vers ces sélections de ressources. Donc, c'est assez facile et assez agile pour mettre en avant et rendre accessibles ces ressources auprès de tous vos publics. Voilà ce que je peux vous dire en très rapide. Et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Alors, les livres audio ne sont pas avec les livres numériques pour l'instant. On a souhaité les mettre plutôt dans la page écoutée puisque les contenus sont classés sur Culture Tech en fonction du type de support et de... Donc, tout ce qui est audiovisuel sera sous-regardé, tout ce qui est vraiment imprimé sera sur lire, et du coup, tout ce qui est audio sera dans écouter. Mais effectivement, que écouter un livre audio, c'est une autre manière de lire, effectivement. Mais ça ne nous... quand je parlais d'une future valorisation en fait, de cette offre-là sur Culture Tech, je pense que dans lire, effectivement, ce serait intéressant de les mettre en avant.
Effectivement, avec Radio France, on est parvenu à un partenariat. Aujourd'hui, on est avant tout avec France Culture, puisque là aussi, on a une politique documentaire, hein, comme pour la littérature écrite. On est sur des documents, des œuvres très, très contemporaines qui sont parues sur les 3-4 dernières années. Par rapport à Radio France, là, on a plutôt voulu favoriser le partage d'émissions qui sont plutôt sur du temps long, qui ne se périmeront pas. Donc, on est moins sur des opérations d'actualité, on est plutôt sur des émissions qui vont parler d'œuvres, qui vont parler d'auteurs et qui pourront justement durer un peu. Donc, c'est pour ça qu'on a d'abord axé notre partenariat avec les émissions de France Culture. Mais il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes sur France Inter, sur France Musique, par exemple. D'autres destinées aussi aux plus jeunes sur d'autres radios. Donc, on est en train de travailler sur ça. L'enjeu, c'est que toutes ces émissions de Radio France sont évidemment accessibles en ligne, n'importe où. Il n'y a pas besoin de passer par Culture Tech. Mais vous le savez, nos publics, ils ne savent pas forcément que ça existe. Et donc, on a voulu favoriser cet accès-là pour justement essayer de démultiplier. Radio France était très intéressée pour ça, l'objectif, c'est de démultiplier un petit peu les audiences et les voies d'accès. Donc, si vous avez des émissions qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à nous les communiquer parce qu'on ne connaît pas tout. Radio France en propose quelques-unes, mais s'il y a vos publics, si certaines émissions ont vraiment un succès particulier auprès de vos publics, n'hésitez pas à revenir vers Marie-Charlotte ou vers moi. C'est que Marie-Charlotte, tu as vu des questions pendant que j'étais en train de parler. Oui, il y a une question sur comment partager les podcasts de Minal. Ça dépend, vous pouvez partager la notice en partageant l'URL ou vous pouvez partager des sélections comme ce que je vous ai montré il y a quelques instants sur l'écran. Et voilà, ce sont des manières de partager les podcasts qui sont diffusés sur Culture Tech. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont très techniques sur comment recréer des sélections sur Culture Tech, comment partager des liens sur les réseaux sociaux. On ne va pas y répondre dans ce webinaire. C'est une idée pour éventuellement un webinaire prochain. On se le garde de côté. On va vous partager donc, dans le mail de récapitulatif. Et puis là, je le mettrai dans le chat. On va vous partager le guide administrateur qu'on avait fait qui répond à une partie de ces questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter et puis peut-être effectivement faire un petit webinaire sur des questions très pratico-pratiques. Et d'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à répondre à ce sondage puisqu'il y a une question qui concerne vos besoins futurs ou actuels en matière de formation et d'accompagnement de tutoriels qu'on pourrait vous proposer ou faire remonter les tutoriels et toutes les productions des collègues. Voilà, donc n'hésitez pas parce qu'il y a une question qui concerne exactement ce sujet-là. Et je vois qu'il y a une petite question au niveau de la médiation, une question de Samantha de l'Institut français de Saint-Louis, donc à Rome en Italie, enfin au Vatican, à Rome, je ne sais plus, qui demande si on a pensé organiser un jeu de piste, chasse au trésor sur Culture Tech. Alors n'hésitez pas à partager, je sais que Loïc Saint-Siège. Merci Justine. Je sais que Loïc a organisé un rallye de lecture sur Culture Tech, mais là en présentiel avec des collégiens de lycée où il y a de l'enseignement bilingue. Ça, c'est des choses aussi que vous pouvez faire à distance. Hein. Il suffit de bien préparer votre activité, votre leçon et éventuellement de pouvoir proposer cette opération à distance. J'en profite, il y a le Vademécum des médiathèques, on le mettra aussi dans les liens importants à l'issue du webinaire. Il y a le Vademécum des médiathèques qui montre un certain nombre d'opérations qui sont organisées, des animations qui sont organisées dans les médiathèques. Certaines sont avec Culture Tech, en lien avec Novembre Numérique aussi. N'hésitez pas à vous en inspirer parce que là aussi, on est beaucoup sur justement des animations à distance, et donc le rallye lecture, notamment de l'Institut français d'Izmir, est mis en avant dans le Vademécum des médiathèques, et vous trouverez toute la marche à suivre pour l'organiser.
Voilà, et moi je voulais terminer un tout petit peu sous forme d'ouverture. Donc, sauf si toi, Marie-Charlotte, tu as quelque chose que tu veux rajouter là. Non, je vois effectivement aussi encore des questions assez techniques, donc on va bien évidemment les garder en tête et y répondre dans des prochaines communications, voire tenter d'y répondre aussi de façon peut-être plus accompagnée dans le guide de l'administrateur ou dans tous les autres supports que l'on a déjà. C'est toujours particulier, le guide administrateur. Pour ceux qui étaient là il y a quelques années, ils se souviennent, j'avais réussi à monter le nombre de pages du guide à plus de 45, je crois. Donc là, ça répondait à toutes les questions, mais je crois qu'il faisait très peur, ce guide. Donc on l'avait réduit il y a quelques années, ça fait déjà 4 ans maintenant, on l'avait réduit à une dizaine de pages pour qu'elle réponde aux questions essentielles. Donc on est toujours partagé entre est-ce que l'on fait quelque chose qui est digeste et qui est... plus facile d'accès, ou est-ce qu'on essaye de répondre à toutes les questions? Donc n'hésitez pas, on a décidé plutôt de faire quelque chose qui était plus réduit et plus digeste. N'hésitez pas à nous interroger, on répond à ces questions plusieurs fois, n'hésitez pas, c'est pas grave, on est là pour vous accompagner. Voilà, mais donc pour terminer un petit peu ce webinaire et ouvrir pour la suite, donc on est sur cet instant charnière, hein, comme je l'ai dit en tout début. C'est une chance pour Culture Tech. C'est une situation très difficile, hein, au quotidien, si on est touché ou pas par le virus, par les mesures de confinement. C'est aussi un changement dans nos pratiques personnelles, dans nos pratiques de citoyens, mais c'est aussi un changement dans nos pratiques professionnelles. On est plusieurs à reprendre la mesure de ce à quoi peut servir Culture Tech, des enjeux des enjeux des cours en ligne aussi, des enjeux aussi de la médiation à distance. Voilà, c'est ce moment charnière. On est plusieurs à penser que ce moment unique dans l'histoire nous incite plutôt à changer et à repenser nos modes de fonctionnement. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on s'en saisisse de cette manière-là. Donc, on est... Face à cette crise, on essaye de trouver des solutions. N'hésitez pas, si vous avez des idées, on en discute, on a du temps, comme le disait Julie. Vous êtes plusieurs à nous avoir écrit, on tarde un peu à vous répondre parce que justement, tout est un peu chamboulé, mais n'hésitez pas, vos questions, on les traitera, on répondra, et puis peut-être que ce format de webinaire pourra être beaucoup plus multiplié si vous en faites la demande. N'hésitez pas à nous le dire, à nous dire si ça vous a été utile, parce que voilà, il y a d'autres choses à inventer, peut-être moins de déplacements entre nous d'un pays à l'autre, moins utiliser les transports et plus utiliser les moyens numériques qui peuvent être une solution à tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est un moment pour Culture Tech, c'est évidemment un moment pour les médiathèques, puisqu'elles n'ont pas attendu ce moment-là pour faire de la médiation à distance et de la médiation numérique. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent partout. Frédéric Jagu avait partagé les webinaires de l'ENSIB, de l'École nationale des bibliothèques de Lyon. Elles seront disponibles, il y a des tas de conférences qui sont organisées. Frédéric continue de partager ce que vous faites un peu partout. Donc, c'est un bon moment pour nous. Un petit peu particulier de dire ça, mais voilà, on a un rôle à jouer. On l'a toujours joué. On va continuer à le jouer. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à Myriam, à Mathilde et à Julie de leurs interventions. Merci à Frédéric d'avoir été en coulisses. Merci à vous tous d'y avoir assisté. Et on est à votre disposition avec Marie-Charlotte. Merci Loïc pour la cravate. On est à votre disposition avec Marie-Charlotte pour la suite des questions plus tard. Voilà. Merci. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Portez-vous bien. À bientôt. On remet la vidéo du début. Au revoir.